pris un excellent départ. Par contre, c'est à l'intérieur. Allez, il a pris un excellent départ. Allez. Attaqué à l'extérieur, il sera 3 de front là-bas, ça ne passera pas. Trignan est devant. Chenois deuxième, David Vincent troisième, Marc Maurice quatrième et Clément Dupont qui ferme la marche. Alors, qui prend le tour joker le plus vite et qui va aller plus vite des 5? De toute façon, ils vont vite tous les 5. On est dans la dernière série de la division 3. Allez, David Vincent qui a pris le tour joker. Pour info, tout à l'heure, Clément Dupont est sorti un peu large avant d'attaquer la grande parabolique du circuit Philippe Chanoine. Très bien. Chenois, Vincent, Dupont. Oh, Dupont. Oui, tu mets le message. Super, en effet. Allez, Mathieu qui est devant, Mathieu Trébion. La dernière épreuve de l'année pour lui. Et puis avant une pause en 2018, avec Jean-Jacques tout à l'heure, durant la conférence de presse, Mathieu qui va être plus dans un rôle de team manager ou de préparateur l'année prochaine. David Vincent qui lui a pris le tour joker. Très bien. Sonnois, le duel. Et Marquez qui sort juste devant David Vincent. Il y a problème là-bas au fond. C'est Clément Dupont. Oui, mais alors Clément Dupont est en plein milieu. Clément Dupont est en plein milieu là-bas du tour joker. Voilà, faut qu'ils sortent de là-bas, ils le voient les pilotes. Hein. Et voilà. Et il est à la place pour passer. C'est pas simple. Hein. Ah oui, mais c'est passé. C'est passé avec Mathieu Trébian qui se retrouve maintenant en second, juste derrière. Dernier tour. Christophe Sonnois. Dernier tour pour cette dernière série. Oui, mais Christophe Sonnois qui va arriver sur le tour joker, pas assez d'avance pour déposséder de la victoire. Mathieu Trévian avec la Sirocco aux couleurs de Yako. Voilà, il prend le tour joker, le pilote de la Toyota. Et il va arriver là-bas sur la voiture de Clément Dupont. Il va prendre à l'intérieur, il l'a vu. Et la victoire sera pour Mathieu Trévian. Et il fait l'artifice. Et il a le meilleur temps en plus devant Thomas Lefrançois, troisième